Blue Hell, c'est surtout une affaire d'hommes et de femmes. On est très heureux de voir tout ce monde ce soir, qui sont contents d'être ensemble, de se rencontrer, de se revoir pour certains. Ce sont des collègues de travail, d'anciennes connaissances. C'est 50 ans d'histoire, 50 ans de commerce, 50 ans d'amitié. C'est vraiment une belle aventure humaine. Et voir tous ces gens heureux, c'est notre meilleure récompense aujourd'hui. Ce matin, on est allé dans les vergers montrer concrètement à nos clients ce que l'on faisait et notre dynamique de producteur. C'était aussi montrer aux producteurs qu'il y avait de l'avenir, qu'on a passé des moments difficiles dans les années 90. On s'est relevé, on a retroussé les manches, on y est arrivé. Et je pense qu'aujourd'hui, Blue Hell à 10 ans, a encore du travail à faire. Il y a plein d'espoir, plein de pistes de développement. On a souhaité mettre en place un logo qui va représenter Blue Hell sur les 5 prochaines années, qui est le sourire. Il y a aussi des lignes plus souples qui donnent de l'agilité. Les messages, c'est passion, c'est innovation, c'est plaisir. L'avenir est au partenariat. Que ce soit sur les variétés, les nouvelles démarches, les obtentions variétales, on a besoin d'avoir de nouveaux producteurs, on a les clients, on a les marchés. Le commerce international de la pomme se développe, 3% par an. Demain, il faudra nourrir le monde et avec Blue Hell, avec le système Blue Hell et toutes les nouvelles dynamiques, on y arrivera.